3, 2, 1. What's up guys, mon nom c'est Wallet et aujourd'hui on a notre premier match de la saison 12 de la QPL VGC et on joue contre Depain. Depain qui est le coach des Timmis Sword, fait que probablement l'épée du Timmiskaming. Donc on va partir à la recherche, il est 19h pile. Donc 19h pile? Donc dans le team de Depain, on a accès à Murkrow, Godstell, Zoroark, Dissoui, Toxapex, Golem, Iron Hands, Sinistra, Tinglu, Rhyhorn et Charmander. Rhyhorn et Charmander qui sont pratiquement là juste pour y laisser de la place sur sa masse salariale. Nous c'est Official Rule 3. 3. Exactement. Donc, il faut voir à l'écran, moi, à ma gauche. Ça, c'est notre équipe. Donc, Suicune, Ogre Pond, Vikavolt, Thaï Giraffe, E-Tran et Iron Valiant. Et on va changer la musique. Y a-tu. T'as une minute. Kieran. C'est ça? Kieran 2. Kieran 3. Kieran 3. Kieran 3. 3. Wow. C'est parti, fait que là, bon. On voit pas mal ce que. Je suis en train de Toxapex. Zoroark me gosse quand même. Faut faire attention à Godstell Murkrow, évidemment. Là. Fait que pas de Toxapex, pas de Golem. Évidemment, Rhyhorn, Charmander viennent pas, là. Makes sense. Fait que parfait. Fait que notre lead, c'est ça ici. Là, c'est Zoroark qui on amène dans le back. Qui on amène dans le back? Dans le back, guys. In the back is. In the back is. Kaku. Tous des noms de One Piece, by the way. Tous des noms de One Piece. Mais qui j'amène in the back is? Quelle bonne question, ça. Je serais tenté de faire ça. Avec ça, I guess. Parce que j'ai pas de speed support dans ce layout là. Oui, même. Bon match de pain, bon match à voir à la maison. C'est parti. 2 de 3. Comme la saison passée, tous les matchs c'est des 2-3. Là, j'ai mis la bonne musique, ça va être fire. Straight up fire. C'est la bonne musique. On est sur la beach en plus. Fait que là, on voit Murkrow Iron Hands. Murkrow Iron Hands. Là, faut faire attention, c'est peut-être Zoroark. Mais Murkrow Iron Hands, je suis quand même content. Il peut pas nous fake out. Fait qu'on va faire cela ici. Puis on va faire cela ici. Il va sûrement en switch pour Godstell après avoir mis le Perishong. Terra Fairy sur Iron Hands va faire colissement mal. Ouais, je mets ça faire genre 20%. Et ça, c'est Zoroark. Je suis très content d'avoir changé. Puis en fait, d'avoir Terra. Brain Punch, parfait. Le one shot, baby! Oh, le crit matter dans Chris, man. Je suis désolé, man. Crit matter dans tabarnak. Ah yes! Flamethrower Murkrow! Ouais, exact. Mais là, ça veut dire qu'il y a Murkrow dans le back. Probablement qu'il voulait. Son but c'était de me tuer le plus de Pokémon possible pour après ça faire le. Pyrishon. Le crit définitivement matter, je suis désolé de pain. Ça aurait pas dû tuer ça en fait. Tinglu. Et là, il peut pas Terra Tinglu. Ça, c'est excellent. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que on va Terra Blast Tinglu, puis on va Dazzling Gleam.
On va dans une game. Parce que je veux faire des dégâts à Zorak pour qu'il puisse mourir bientôt. Ça fait tellement mal, man. Faut le chop. Ça fait mal aussi en Chris. Ok, il vient de tuer nos deux. On n'a pas de chez Zorak encore. Faut faire attention à Throat Chop qui peut nous faire vraiment mal. C'est nous qui est lefties. Là, on a quand même un bon setup par rapport à ce qu'il a amené. Parce que si on amenait Yitran, on était fourré en crise contre Tinglu. Fait que je vais Icy Wind. Unless. Trop d'eau la Trick Room, c'est rough. En fait, techniquement, mon Ogre Pond est plus slow que le Murkrow. Fait que je vais juste target Murkrow, Spiky Shield. Puis après ça, Ogre Pond devrait outspeed dans Trick Room, Zorak. Parce que mon Ogre Pond, il est max HP, max attaque. Adamant. J'ai 0 speed dedans. Fait que je devrais être plus slow que Zorak. Fissure, c'est une malade mentale, man. Le burn, useless. Bitter Malice, c'est. Hey, faut le faire en crise, Bitter Malice, parce que je suis défiant. Puis là, nous, on va scald simplement Tinglu. Puis on va Ivy Cudgel Zorak, ça devrait tuer. Faut juste pas qu'il ait une fissure. Parce qu'il faut oublier qu'il y a Murkrow dans le back là. Et le hard attack, si je vois que je vois ce style d'attaque là, man. Tinglu est mort. Ça, c'est excellent. Parce que là, si Zorak est vraiment slow, il nous outspeed, mais je pense que nous, on l'outspeed et on le tue en ce moment. Ça va être un 2 contre 1 contre le. Contre le Murkrow. Excellent. Et le Murkrow qui traversera jamais Suicune là. Je peux tout simplement faire Spiky Shield. Et moi avec, man, je suis allé voir Fissure. Fissure jaillit ce move là. C'est que jaillit ça, man. Torblé. Let's go. Là, techniquement, à moins 1, je devrais l'outspeed. Fait que Play Rough devrait tuer. Hein. On l'aime Play Rough. Let's go. Let's go, Ogre Pond! Fait que 2-0 pour un game. Ogre Pond the beat. Let's go. Fait que le choix était le bon. Et là, on a le upper hand. Il va se demander à Chris si qu'est-ce qu'il faut qu'il amène pour battre le lead de Vikavolt et
Tari Giraffe. Pour risque de match. Ouais, man, c'est serré en Chris. J'ai gagné le match 1 à Yuki. Oh boy. Je pense que je peux aisément lead ça ici. Avec ça ici dans le back. Ogre Pond tank vraiment pas mal tout le monde. J'ai désolé pour avoir Godstel, mais la girafe Ogre Pond. Ogre Pond c'est fort. Hein. Ouais, c'est moi qui ai la girafe, man. Il était pas sorti après 4 tours, man. Je comprends pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas sorti Godstel encore. Probablement qu'il garde cette strat-là quand il va être contre le mur. Genre match 2 ou match 3 si ça se rend là. Mercury Renan's. Le même lead que tantôt. Même lead. Probablement pas la même chose par exemple. On va Willow. Puis on va Dazzling Beam. En espérant qu'il joue sur plus rapide. S'il fait Tailwind, Iron Hands, Mount Speed. Si c'est Murkrow. Terra first turn sur Willow, on sait que c'est pas Iron Hands. C'est sûrement Murkrow qui Terra. Normal. Ok. Sûrement Zoroark. Avec Hyper Voice. Ça fait vraiment... Mon E-Tron est seté max HP, max Spirit pour Zoroark justement. Puis idem pour ma girafe. Fait que we good. Et le Wisp qui rentre. Quand même calissement mal. Le Zoroark est unveil. Ok. On va Heat Wave. Helping Hand. J'aimerais vraiment ça garder mon Terra pour Vikavolt. If needed be. Ça tue pas, let's go. Et là, E-Tron, si on regarde E-Tron, E-Tron est sûrement mort. Mais c'est pas grave, parce que ça me permet de rentrer Vikavolt gratuitement. Unless que je rentre au Ogre Pond. Je peux rentrer au Ogre Pond sans vraiment de problème, parce que là, s'il rentre Ting Lu, mon Vikavolt est fourré en tabarnak. Ou pas tant. Non, je suis zéro fourré. Parce que ça, si c'est une loup, je peux faire Bug Buzz. Je peux continuer de faire Bug Buzz et faire Digleam. Sans problème, même.
Parce qu'Aaron Hens peut pas rien me faire là, en ce moment. Comme je suis là en ce moment, il peut pas rien faire du tout dessous. Là. Let's go, bro. Hey, let's go. Ben, on sait qu'il y a Mirko dans le back. Fait que moi, si Vikavolt reste, je suis good. Aaron Hens est plus rapide. Ouais, j'avais seté mon Ferrigère pour être plus rapide. Et voilà. Ça fait rien. J'ai pas Terra. Ça fait rien, ça non plus. Le damage, man. Let's go. Et là, je veux pouvoir tuer Aaron Hens. Fait qu'on veut juste faire la pégance parce qu'il va sûrement me target la Gira de toute façon. C'est pas fait encore. Y'a rien de fait. On s'en va du loup. On va voir Murkrow. Murkrow fait mal à mon Urgrupon. That's fine. Et là, on devrait tuer. On va tuer à Iron Hands. Je peux pas croire. Là. Ah, let's go, let's go. S'il tue pas, le burn va le faire. Ouais, effectivement, ouais. Fait que Tinglou qui reste plus rien d'HP. Pis Murko. Je vais protect. No way que Murko me one shot. Puis moi, ce que je pense, c'est qu'il va double target le Vikavolt. Perishong. Ballsy, pareil. Hein. GG. Let's go, guys! Ben moi, c'est juste parce que je pensais qu'elle a essayé le Triple Protect. Mais let's go! On a gagné 2-0 contre Depain. Gros début de saison, guys. Let's fucking go, man. Grosse game. Gros deux matchs. 2-0. Fait que GG Depain, merci d'avoir écouté la vidéo, guys, à la maison. Prochain match, ça va être dans 2 semaines. Parce que la première semaine, c'est 2 semaines de temps. Pour laisser les gens le temps de se préparer. Donc, dans 2 semaines, on va voir le prochain match. Je ne sais pas si c'est notre adversaire parce que c'est un match hors de notre conférence. Mais vous allez voir, semaine prochaine, dans 2 semaines, on va être là aussi pour le match numéro 2 de la saison. Donc, merci, guys, d'avoir écouté ça. Puis nous, on se revoit la prochaine. Ciao!